It's good to see you again. Pull up a chair by the hearth. Et des viewers?
Bonjour, bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, un changement un petit peu, on va streamer sur Hearthstone. Hearthstone, enfin, le jeu qui est chiant à dire le nom. Hearthstone. Donc, sur Hearthstone, alors sachant que moi, donc là on est sur mon compte, j'ai pas énormément joué. J'ai un petit deck voleur comme ça, vite fait. J'ai quelques cartes, sans prétention exactement. J'ai quelques cartes. Oui, bon, alors, retardement, c'est normal. Il y a toujours un retard sur le streaming. C'est normal. Donc, alors, juste que je monte vite fait. Tac. Hop. Tac. Donc, les song requests sont disponibles aussi normalement sur le chat. Pour l'instant, je vais mettre la musique du jeu. Voilà. Donc, comme je disais, tac, on va monter un petit peu. Donc, j'ai fait un petit deck voleur. Parce que j'aime bien les voleurs. Tac, tac, j'ai quelques cartes. J'ai chopé celle-là il n'y a pas longtemps. Un truc pas mal. Avec combo et tout, en plus elle est rare. La seule vraie carte rare que j'ai, en fait, c'est celle-ci. C'est une légendaire que j'ai. C'est Izera. Alors, normalement, tac. Voilà, j'en ai même deux. J'ai Izera et Baron Guédon. Baron Guédon que j'ai eu il y a pas longtemps. Hein. Tac, donc à la fin de votre tour, inflige 2 points de dégâts à tous les autres personnages. Tac, tac. Et j'ai aussi. Donc c'est des cartes légendaires neutres. C'est pas, j'ai pas des cartes légendaires du deck, mais bon, c'est déjà pas mal. Celle-là, je pense que plus dans un deck magicien, elle passe. Elle passe partout. Elle passe partout. Ouais. J'ai pas voulu la mettre dans mon deck parce qu'elle coûte 9, elle est difficile à caler et tout. Je préfère avoir un deck un peu plus rapide, tu vois. Avec des trucs un peu. Bon. Donc, ce qu'on va faire d'abord, à tester un bras de fer, c'est ça que tu me disais. Le bras de fer, le truc, c'est que tu joues avec des cartes aléatoires. Alors, t'as plusieurs types de bras de fer. Donc, t'as les decks imposés. Mm-hmm. Donc, en gros, là, en l'occurrence, c'est par rapport au voleur, on lance le truc. Alors. T'as aussi un autre type de bras de fer où tu construis ton deck en fonction d'un thème. Mm-hmm. Donc par exemple, premier tour tu as un de mana, ensuite tu en as trois, ainsi de suite. Ouais. Donc t'essayes de faire une curve assez qui monte vers le late game. Et t'as aussi en fait le héros imposé, et dans ce héros là tu as un deck spécial. Donc ça fait les trois, en gros c'est les trois types de bras de fer. D'accord. Qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Donc. Le capitaine a laissé des trésors pour tout le monde, mais surtout pour vous. A chaque tour, un coffre avec 3 cartes aléatoires s'ouvre, à vous de choisir celle que vous gardez dans votre main. Donc, hein, gagnez un paquet pour votre première victoire de la semaine. Et donc, ouais. Voilà, donc tu fais choisir. Hop. Tu choisis un héros qui te convient. Je te conseille de prendre un héros qui fait du dégât, en fait, parce que tu pourras pas piocher de cartes. Tous les débuts de tour, tu as choix entre 3 cartes, et ensuite on prendra notre temps et tout ça pour expliquer. Donc d'accord. Soit tu décides de prendre le prêtre qui va pouvoir soigner tes créatures et te soigner. Tu peux utiliser le démoniste. Le démoniste par contre, tu peux piocher des cartes, mais les cartes sont pas intéressantes. Ok. De piocher parce que tu vas tout le temps avoir les mêmes. Le voleur c'est une arme, c'est pas mal. Le druide c'est une arme et un point de bouclier, sachant que l'arme elle tient qu'un tour, donc c'est la griffe. T'as un dégât pendant un tour et tu gagnes un point d'armure. Le voleur c'est des dagues que tu as pendant 2 tours, donc c'est intéressant. Ouais. Surtout si tu arrives à choper des pièges, des poisons pardon. Ouais. Le chasseur c'est 2 points de dégâts même des direct cartes ouais. Face. Ouais. Le paladin ça va invoquer une créature 1-1 pour ce bras de fer là, je trouve que c'est pas hyper intéressant. Le mage c'est 1 point de dégâts avec sur la le héros de feu, ouais, ou coûte. Sur le personnage. Et qui te coûte 2 mana. Ouais. Le guerrier ça va être 2 points d'armure et le chaman c'est des totems. Les totems c'est intéressant pour booster les sorts. Soigner tes créatures, faire un taunt. Après, moi j'aurais tendance à choisir soit le voleur, soit le magicien. Magicien parce que c'est le premier avec lequel tu commences, donc qui est assez simple. Et voleur parce que c'est la classe que j'aime bien. Tu me conseillerais quoi entre les deux? Il y a vraiment un choix qui diffère ou... Bah, en fait, si tu veux choisir la facilité, je te conseillerais plutôt le prêtre. Le prêtre? Ouais. Parce que tu peux soigner tes créatures, donc du coup, avoir un truc à te voilà, pouvoir héroïque, donc rend 2 points de vie. C'est okay. Ça. Après, donc faut pas. Les cartes, tu les choisis pas en fait. Tu vas voir. Ok, bon, on va tester ça. Et c'est des adversaires, des joueurs ou c'est des joueurs. Des joueurs, d'accord. Donc là, c'était sur serveur Europe, donc tous les pays européens. Ouais, donc ça peut être...
l'ardeur. Adversaire convenable. La lumière. Voilà. La lumière. Donc lui aussi donc là, il a pris, que tu changes les cartes ou pas, tu auras toujours les mêmes. C'est ton carte est composé de 30 decks et ça va être des pirates. D'accord. C'est pour le début de ton jeu. Donc là, je remplace des cartes. Ça sert à rien. J'aurais forcément celle-là. Tu essayes pour voir si tu veux. Ça peut te rassurer. Tu peux même tout changer. Tu verras, tu auras que des pirates. En gros, dans ce bras de fer là, tu pioches pas de cartes du tout. Sauf si tu gagnes des cartes de pioche. Mais c'est pas d'accord, donc en fait, c'est la même carte que j'ai à l'infini presque. C'est ça. Enfin, ah putain 30 cartes. Il a les trucs de Heroes of the Storm. C'est les deux cartes de Heroes of the Storm, ça. Voilà, donc là, t'es lâché entre 3 cartes. Jusqu'à d'accord. Quelle heure jusqu'à ce. Bah, comme d'habitude, jusqu'à qu'on en ait marre. Mais alors, bon, je pense que ça va durer toute la partie. T'as Châtiment Sacré qui va infliger 2 points de dégâts. Mm-hmm. Tu vois, ton pirate, il a 3 points de vie. D'accord. Il faut que tu penses à ton late game. T'as déjà un tour 1, un tour 2, éventuellement un tour 3 le prochain tour. Mm-hmm. Je te conseille de prendre la Demoiselle du Lac, parce que la Demoiselle du Lac, c'est ton pouvoir héroïque qui va coûter. Ouais, donc ça veut dire que je pourrais me soigner plus rapidement. Voilà. Le Forgeron Malveillant, ça sert à rien de le prendre. Comme t'es un prêtre, t'as pas d'armes. Ouais, ça aurait été intéressant si tu avais un voleur pour la Demoiselle du Lac. Voilà. Donc là, tu vas utiliser ta pièce pour pouvoir direct voilà. Et tu pouvoir sortir tu le mets pirate. Ton meilleur pirate. Le meilleur. Ah, parce que. Non, mais c'est. Ah oui, ouais, d'accord. Et tu fais fin du tour. me lance pas les expressions, je suis en mode je réfléchis pas là. Voilà, tu fais fin du tour. Tac. Et t'attends. Là, le mec il va t'invoquer forcément un pirate ou alors il a chopé un sort de merde. Assassin, est-ce que tu connais un petit peu Hearthstone ou pas? Parce que sinon on peut aussi expliquer en même temps en cours de jeu. Parce que c'est vrai que nous aussi on a quelqu'un qui connaît pas trop le jeu. Après, il est en train de faire un niveau sur Mario Maker là, mais. Voilà. Donc lui aussi il a que des pirates. Alors voilà, t'as attaque mentale qui va infliger 5 points de dégâts à ton adversaire, ça peut être un finish. Le vieux trouble-œil, il est intéressant mais il faut la condition d'avoir d'autres murlocs. Ouais, donc les forgerons toujours pareil. Donc, là il vaut mieux que je prenne l'attaque ça mentale. Ça peut être serveur de finish, voilà. Donc là tu invoques un autre pirate. Ou alors t'as une autre solution. Tu vas dans les dégâts du pirate adverse et tu soignes ton pirate derrière. C'est une solution. Mais il peut très bien soigner. S'il soigne son pirate derrière, il aura gâché 2 de mana, donc il pourra pas invoquer de monstre. Ah oui, d'accord, tu vois sur le c'est mind game cette, comme ça. Tout ça. D'accord, en fait. Tu vois, c'est des trucs. Que tu réfléchisses à ça. C'est des trucs auxquels je pense pas forcément, tu vois ça. Mais tac. Ce qu'il faut principalement, c'est avoir le contrôle du board. Là, je pense qu'il va invoquer un nouveau pirate. Mais tu t'en fiches. Oui, parce que là, il va pas m'attaquer mon pirate parce qu'il risque de le tuer lui. Donc, soit il va m'attaquer directement, soit il va le soigner, soit il va invoquer un nouveau truc, tu vois. C'est ça, bon, là, il a eu le choix de Vélène. Ouais, il a eu de la chance, ouais. C'est pas grave, regarde. Alors là, t'as le sombre sectateur qui est une très bonne carte, le silence. Et donc, Radagoni, c'est un sort qui met uniquement quand il meurt, c'est ça? Le Radagoni, voilà, c'est quand il meurt, voilà, mais à condition d'avoir un autre serviteur allié à côté. Exaltation, c'est voilà. Quoi? L'exaltation, c'est quand tu utilises ton pouvoir héroïque. Moi, je te conseille de prendre la légendaire. Parce que quand tu fais exaltation, donc quand tu utilises ton sort, ça fera un super tour 9 si on arrive à aller jusqu'au tour 9. Tu auras deux légendaires sur la table. Et tu peux tirer sur une charge, par exemple, un roi crush, peu importe. C'est complètement aléatoire. Okay. Donc je te conseille de la prendre, ça fera un bon tour 9. Et là, et ce que tu fais, silence, c'est que le silence, c'est en gros, tu zappes le pouvoir d'un le serviteur. Boost, le boost d'un serviteur, son action, enfin. D'accord. Voilà. Donc là. Là, il te faut du board. Donc tu mets un pirate. Tu vas peut-être galérer là, ces tours-là, peut-être qu'on va perdre, mais au moins, tu commences à apprendre les mécaniques. D'accord. Ah, il dit ouais, je suis assez fort, assassin. Alors nous, on n'est pas des joueurs, voilà, enfin. Bah, parce que moi, Damien, il connaît quand même beaucoup mieux que moi le jeu. Hein. Voilà, mais j'y consacre pas beaucoup de temps. Enfin, j'y joue peut-être 2 fois par semaine. Avec les études et tout, c'est pas facile. Et voilà, le jour où je ferai plus d'études, bah, entre temps pour m'amuser, je pourrais y jouer. Alors voilà, forme d'ombre. Donc la forme d'ombre, c'est intéressant dans le sens où. Transforme votre pouvoir héroïque qui inflige 2 points de dégâts. Si la forme d'ombre est déjà adoptée, 3 points de dégâts. D'accord. Ah oui, tu peux le cumuler. Voilà, c'est ça. Donc t'as l'homme neutron, donc c'est provocation. Provocation, c'est le taunt. Et bouclier divin, c'est. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il se fasse toucher une première fois, quel que soit le dégât, avant de pouvoir attaquer ses points de vie. C'est ça. Ensuite, le rejeton des ombres, c'est inflige 4 points de dégâts donc à chaque héros. Ça ferait plutôt une bonne défense, ça, mais après. Ça peut être intéressant en effet, mais tu veux jouer comment? Parce que là, ton pouvoir héroïque, il fera 2 points de dégâts au serviteur
ou héros adverses. Bah du coup il faudrait peut-être y aller un petit peu plus parce que là je commence à être en retard sur le, tu vois, j'ai déjà 4 points dans la gueule, j'ai rien pu c'est faire. C'est pas grave, t'apprends la mécanique de toute façon, tu pourras en refaire un autre après. Bah je suis plus sur l'attaque donc on va choper la forme d'ombre. Ok. Donc là je te conseille de mettre un autre pirate. Je peux me mettre en même deux. Ouais, vas-y, vas-y. Attends, je vais... Je peux le faire là ou c'est pas intéressant? Dépêche-toi, dépêche-toi. Je vais après. Et hop, avec le pirate, voilà, face, voilà. Et là, tu vas avoir un tour qui peut être patate. Alors, Vincent, à côté, il est en train de travailler un niveau sur Mario Maker. Donc on proposera après. Attends, je vais couper le truc du Nightbot, la request pour proposer les. Parce que c'est. Hop. Timer. D'accord. Il y a une Nova. Ah la Nova, ça. Alors. Invoque un autre client sinistre chaque fois que ce serviteur subit un dégât qui. Survit aux dégâts qu'il subit. Là, il faut que tu prennes la bombe de lumière. Inflige à chaque serviteur les dégâts équivalents à leur attaque. S'il te sort une grosse carte, bombe de lumière. Donc là, ça va être intéressant dans ton cas. Donc là, ce que tu peux faire. Il y a 6 points de dégâts sur la table. Tu peux utiliser ta demoiselle du lac qui va mourir le tour d'après, mais ça te permet de te soigner en même temps. De toute façon, t'as rien de mieux à faire. Ou alors, bah non, t'as que ça à mettre. Il te faut une créature sur le board. Voilà, demoiselle du lac, qui tu souhaites. Si tu la tues pas, il va le regretter. Mais là, on est très mal parti. On n'a pas eu les cartes de tirage de fou. Tu vois, c'est simple comme interface, mais c'est simple. Quoi ça? Alors, au début de votre tour, rend 3 PV à un personnage allié blessé. D'accord. Ouais, donc il va rendre des points de vie à lui, ouais. Il a quand même des bons top deck, hein. Ah, ça peut être pas mal, ça, mais si j'arrive à mettre... Après, ce serait peut-être plus intéressant pour une créature là actuellement, non? Bah ouais, il faut de la créer. Mais Donne ouais, un serviteur moins 2 d'attaque pendant ce tour. Là, je sais pas. Gagne 2 PV si vous avez un dragon en main. T'as pas de dragon. Le dragon, ça va être à condition. Donc c'est d'en soit avoir le réducteur fou, soit le mot de pouvoir gloire. Voilà, mais il te faut une créature. Donc là, t'as 2 solutions. Bah non, c'est la bombe de lumière. Le problème, c'est que tu vas neutraliser un seul. Ouais, bah oui. Et tu pourras pas mettre de créature, donc ouais, c'est ça, et tu te souhaites. Tac. Moins 2 d'attaque. Mais c'est vise n'importe lequel, ça tiendra pas à son choix. Et tu te soignes, soigne-toi. Avec juste mon pouvoir ou... Ouais, juste ton pouvoir. Soigne-toi. Tac. Ce que tu viens de faire, c'est pas s'il fallait le garder. C'était un finish, parce que là en fait, son puits de lumière, il peut le soigner lui aussi. Ah. Après je sais pas moi quand je vois du dégât j'ai envie de le faire tout de suite tu vois mais c'est vrai que je pense pas assez à la suite en fait. Et tu vois le chat d'ici ou pas? Oh t'es devant mais c'est pas grave. Je vais le faire comme ça. Hein. Tac, comme ça tu le vois. Ouais. C'est mieux? Ouais. Alors rank 3 points. Putain mais il a que des bonnes pioches, moi je galère avec mes trucs et. En fait, le problème, c'est que je pioche pas de créatures depuis tout à l'heure, donc ouais, donc voilà, les 5 PV que j'ai mis... Ah, bah non, il les a pas mis sur lui, tiens. Oh là là là. Alors là, Bah là, ça va être Nova Sacrée. Bah là, la Holy Nova, ouais. De toute façon, t'as pas... T'as... Et tu utilises ta bombe de lumière. Enfin, même pas, ça sert à rien. Bah oui. Non mais t'es de la baisse en fait.
parce que sinon tu fais, tu te soignes. Il te faut alors 5, 6, 7. Tu peux te soigner et retirer 2 points de vie au garde lumière. Et après tu pourras plus te soigner du tout. Ou alors tu fais Odinova, mais c'est pas intéressant, tu vas éliminer qu'une créature. Et donc de lumière, tu en élimines 2. Non, une. Il a 2, 4, 9, 10, 11, 12 et 13, 14. Il y a 14 points de dégâts sur la table. Bah je... Nova. Ou pas. T'as rien de mieux à faire. Nova et tu te soignes. Ah là 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 là. Vincent, tu n'interviens pas beaucoup pendant les lives. Pas trop aidé là. Bah oui. Alors là moi, t'as 8, donc tu prends. Ouais, tu peux prendre le Berserk à Mani. Parce que l'accélérage plus 3 d'attaque c'est cool. Et c'est accélérage, fais... c'est voilà, quand il subit des dégâts, d'accord. Et là, tu fais bombe de lumière. Et Berserk, mais... Bon, déjà, ça fait un peu le ménage. On est en meilleure posture que juste avant. Ouais. Le prochain tour, tu vas pouvoir mettre ta légendaire et te soigner. Ouais, parce qu'en plus, là, lui, il va avoir que 2 cartes. Donc, ouais, à moins qu'il ait un truc pour retourner la situation, là. Ouais, donc du coup, là, ça revient un peu à notre avantage. Même si on est très en retard au niveau des PEV. On n'est toujours pas en avantage là. On a ouais, on n'est pas en avantage, posture, mais au moins on est moins dans la merde qu'avant quoi. Ah, et puis voilà, ils seront dépoignés toutes les 2 secondes. En même temps, c'est le principe du. Il a pas duré longtemps lui. Dieu, il a un point d'attaque. C'est une 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire, c'est quoi ce truc? Bah peut-être réduire au silence son serviteur qu'il soigne, non? Parce que c'est de manière définitive, on est d'accord? Tu peux faire ça, ouais. Prends le silence, comme ça, ça le rendra complètement useless. Et là, tu fais ta légendaire. Voilà, tu te soignes. Et comme ça, ça invoque un... Voilà. Et tu attends, tu ne passes pas ton tour tout de suite, tu sais pas quel légendaire va apparaître. Ah, ça fait apparaître un autre légendaire? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ok, et donc là, tu passes. Tu peux rien faire. Donc là normalement il va te détruire la légendaire. Ah mais ça elle est pétée cette carte. Oui mais c'est pour ça qu'il faut la sous le tour 9 sinon tu la rentabilises. Ah ouais ouais mais elle est waouh. Elle est craquée. Ah c'est bien quand tu peux la protéger mais là tu peux rien faire. Bah il l'a eu aussi tu vois. Pfff, c'est juste ma cul. Tu peux rien faire. Il a eu des trop bons tirages, c'est ça le souci. C'est des trucs qui arrivent, c'est Hearthstone. Ouais, ouais. Ah ouais, j'ai pas compris son play, moi à sa place j'aurais tué l'autre. Ouais, je. Parce que là tu vas pouvoir faire un truc sympa. Oh l'autre quoi, putain. Le roi Krouch quoi. Oh le... Mais cette chatte. Cette chatte. Bon attends. Alors là, tu peux faire quoi? Tu peux prendre le Vol'jin. Pas le soin rapide, non? Non. Vol'jin, on dit? Vol'jin, en fait, tu vas pouvoir voler les points de vie du roi Crush. Alors attends. Laisse-moi compter. 6, 7, 8. Mais tu pourras plus te soigner. Ouais non en fait t'es de la baise. Bon on invoque le Vol'jin. Ouais et tu lui prends la point de vie du roi Crush. Mes esprits, ils sont à... Tu utilises ta forme. Attends. Utilise ta forme d'ombre. Voilà. Vas-y. Tu fais le pouvoir sur le roi Crush. Et avec ta 5-4, tu tapes la 2-5. Attends. Vite.
Je tape la 2-5. Non, tu tapes la 5-4. Tant pis, tu tues ta truc. Je trade. Vaut mieux trader. Mais là, de toute façon, t'as perdu. Il a toujours 5 points de dégâts sur la table. Et il dit il joue chaman assassin. Voilà, inflige 5 points de dégâts et rend 5 points de vie à votre héros. Voilà. Ça arrive, hein, top deck. Hein, bien joué. C'est le jeu. Voilà. Après, comme tu vois, le prêtre, c'est pas un perso avec lequel j'ai beaucoup joué. C'est pas grave. Donc là, tu refais choisir. Faut que tu gagnes, de toute façon, pour gagner. On reprend le prêtre ou on passe bah non, sur le. Non, tu peux changer. C'est pas... Peut-être le mage, en plus, voilà, t'as le truc de. Ah, je vais prendre le mage. Allez, je suis fou. J'essaie de voir du coup un peu comment ça. Non. C'est le genre de jeu que je peux pas. Tu te souviens quand t'étais petit, on jouait aux cartes Pokémon. Pas pareil. Ah bah ça ressemble un petit peu quand même, avec les énergies que tu dois utiliser pour. La lumière nous apportera la victoire. Bon alors comme tout à l'heure, donc du coup tu joues qu'avec des pirates en fait. Ouais. Alors. Bah là moi je te conseille de prendre soit le cracheur de suie, soit la boule de feu. Bah, cracheur de suie, il sera intéressant dans le sens où je vais lancer beaucoup de sorts, donc... Tu sais pas. Salutations. Il y a des chances que je le retrouve après. C'est possible. Tu peux prendre le cracheur de suie, ça te fait un tour 3. Bonjour. Ça te fait une 3-3 sur la table et ouais. Il n'y a pas forcément de quoi le gérer. Ouais, mais c'est normal, Assassin, que tu sois tout seul. C'est parce que là, il est... Bah là on est jeudi, 15h57 on est jeudi, et on est 15h ouais. Les enfants sont pas encore rentrés de cours. Puis il faut dire aussi qu'on n'est pas non plus les streamers les plus populaires du monde. Oui voilà. Alors. Alors, le cône de froid c'est sympa. Le géant du givre, j'y ai jamais joué, mais Ça peut être intéressant ça parce qu'à chaque fois que je vais utiliser mon sort. Si tu penses que tu es sous souvent. Je sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, on l'a pratiquement pas utilisé. Bah ouais, mais peut-être qu'avec Jaina, on aura plus l'occasion de l'utiliser. Sinon, y'a quoi ? Gagne Furie des Vents pendant ce tour. Exaltation, c'est quoi ? C'est... Quand c'est... Ah oui, ça, c'est son pouvoir héroïque. Ouais, bah, il sera intéressant, ouais. Vas-y. Déjà, tu mets un pirate. Pirate ! Et du coup, ton prochain tour, tu vas mettre la carte que tu viens de prendre. Ouais. Après, ce serait pas plus intéressant d'attendre. Non, de d'abord mettre lui. Et de mettre lui seulement quand j'aurai 5, histoire de non, pouvoir utiliser non, parce qu'il a pas charge. Ah oui, oui, bah oui. J'adore les petits feedbacks qu'il y a à chaque fois. C'est pas intéressant de mettre ça en mode, d'accord? Non, parce que tu vas avoir que des pirates. Tu vas avoir que des pirates, donc déjà ça c'est non. T'as l'abomination qui retire 2 points de vie à tous les personnages, donc c'est une bonne AOE. Ouais. Dans le contexte, et en plus, ça a la provocation. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Et t'as le médecin du tournoi qui te rend 2 points de vie au héros à chaque fois que tu peux utiliser ton sort. Ouais, je serais plus pour le prendre un peu défensif. Ouais. Il faut un peu de défensif parce maintenant, que maintenant, tu mets ton tour 3, l'autre. Voilà. Et tu vas lui taper dans sa gueule. Bon, déjà, on a un meilleur. Vois, là, s'il te remet un pirate, le prochain tour, tu fais pouvoir héroïque et tu tapes ces deux pirates. On a plus de trucs que la fois dernière quand même. Ça se joue au tirage. Donc là, tu peux tuer ces deux pirates et toujours avoir une présence sur le board. Il dit ah, je suis au collège, pas cours l'après-midi. Ah bah oui. Alors. Ah bah chef de raid, j'aime bien ça. Ça c'est bien. Ou sinon, projectile des arcanes, ce petit dégât. Non, easy. Projectile des arcanes, non. Et l'autre c'est. Ça donne provocation. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, mais est-ce que tu préfères pas plutôt avoir un raid ? Un chef ouais, de raid, pardon. Un chef de raid. Donc là, tu fais pouvoir héroïque sur le héros. Voilà. Tu invoques un pirate. Et avec lui, je vais attaquer les deux là. Voilà, et après, c'est ça. Comme ça, tu nettoies le board et t'as le contrôle du board. Voilà. Donc même si je les trade pour 2 cartes, donc c'est... On va dire que c'est quand même... Ça, c'est rentable. C'est rentable.
marqué d'Aix. L'emplacement est marqué d'Aix. Ok, donc il a chopé que des cartes late en fait, de late game. Ouais, donc c'est après qu'il va faire mal. Alors, provocation, râle d'agonie, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs si vous avez un dragon en main. T'as pas de dragon, donc elle est pas intéressante. C'est une carte qui coûte 7 pour 6-6, c'est pas intéressant. Le héros défense, c'est pas mal. Ouais, c'est ce que je pensais. Et l'évaporisation, c'est quand un serviteur attaque ton héros. Ça le détruit. Je serais plus tendance donc, à mettre tu héros prends défunt. Le héros défunt et tu fais héros défunt et tu mets ton chef de raid. Ah bah oui. Voilà. Et en fait avec tes pirates tu vas trade en fait les autres. C'est pas mal. Et là j'espère qu'il a pas de Nova Sacré. Sors pas des trucs comme ça. Parce que s'il a pas la Nova Sacrée, tu vas lui faire très mal. Après j'avoue, le titre du stream donne pas très envie. Ah ouais, mais... ouais non, c'est humoristique. Mes excuses. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas et il est... voilà, il est con. Alors là, tu sais pourquoi tu l'as battu? Parce qu'il avait rien d'autre derrière. Il pouvait mettre des cartes. Mais une carte contre trois cartes, si tu veux, c'est pas... il peut rien faire. Ouais. Donc là, de toute façon, parce que il a abandonné. Tu lui as mis une pression tout le long du truc. Donc du coup, il pouvait rien faire. C'est un peu ce qui nous arrivait tout à l'heure. Donc t'as pas en soi, t'as pas que la quantité de cartes, ou enfin, pas la quantité, mais ce que je veux dire, c'est... il n'y a pas uniquement, en fait, la puissance de tes serviteurs. On enchaîne ou... tu là, devrais en refaire une, comme ça, tu comprends bien le système. Ok, bah on va repartir. Change de classe. On va partir sur le voleur parce que j'aime bien. Vas-y. D'accord. GG, merci assassin. En fait, mais là c'est vraiment le hasard qui m'a sauvé. Hein. C'est parce qu'on a tiré non, les bonnes cartes. Enfin, y a pas que ça. Y a la synergie aussi. Enfin, tu vois. Tu lui as mis la pression. Enfin, faut savoir aussi. Adversaire convenable. C'est toujours ça. Uther. Bon, Uther, donc je vais avoir des boucliers divins à tout va. C'est possible. Et puis surtout, il va mettre beaucoup de petites unités, parce que c'est ça, il peut invoquer un chevalier d'Hurlevent, c'est ça? Voilà. Un chevalier. Enfin, recrue de la main d'argent, mais c'est des chevaliers d'Hurlevent. Donc je me bats contre Cobalt. Tout le plaisir est pour moi. Heureux de vous rencontrer. Alors... tu vois, le tricheur borgne, il est intéressant. Ah bah ouais, carrément. Ouais, bon, ça lance un sort, ouais. Ah, le tricheur borgne. Votre adversaire lance un sort, il obtient... putain, il obtient une pièce et vous gagnez une copie du sort. Donc c'est pas intéressant, tu vas lui donner une pièce, donc tu vas lui offrir une opportunité, en fait, ouais, d'avoir un point de mana supplémentaire au tour d'après. Donc moi, je te conseille de, ouais, d'utiliser le tricheur borgne. Bah oui, là, hop, c'est... et là tu fais pièce tricheur board. En espérant qu'il ne me tue pas. Ah, c'est 4-1 quand même, hein. C'est pas dégueu. Hein. Et tu vas pouvoir t'amuser ensuite. Je vais mettre un pirate. Tu le tapes dans la gueule et tu mets un pirate, comme ça il pourra pas le cibler ni le taper. Bah, et camouflage, du coup, c'est... ça le permet, voilà. Ne peut pas être attaqué ou visé jusqu'à ce qu'il inflige des dégâts. Ouais, faites gaffe avec ses boucliers divins, c'est chiant. Ouais, bah oui, t'inquiète, c'est... donc là, hop, tu lui tapes dans la gueule. C'est justement ce que je disais avant. Ouais, donc tu vois, là, il a rien du tout, il est obligé d'invoquer un... alors, combo, inflige un point de dégâts, préparation, le prochain sort que vous lancez pendant ce tour coûte 3 cristaux en moins. Alors là, c'est intéressant. Le Berserker Gurubashi, il est hyper intéressant, seulement si tu peux le booster. Là, dans ce contexte-là, c'est pas possible. Mm-hmm. Et le Vaillant Fossoyeur, il est bien parce qu'il y a un combo. Ah, le combo, c'est le principe du deck de... Moi, je suis bien partant pour le combo. Prends une créature, ouais. Parce que t'as pas encore de sort, tu sais pas ce que tu vas avoir comme sort plus tard. Bon, voilà. Du coup, donc, on là, va d'abord mettre non, le pirate. Non, non. Avant, tu tapes avec le monstre que tu as. Ah oui, comme ça, je vais garder mon camouflage. Ça, c'est la base de Hearthstone. Il faut que tu fasses hyper attention à ce que tu fais. Est-ce que je tape non, truc, non, parce que sinon, ton truc, il meurt. Donc, tu le fais dans la gueule. Et après, tu fais ton pirate. Ouais, c'est l'ordre. Tu vois, ça, j'ai toujours du mal sur l'ordre dans lequel faire les trucs. C'est la base. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes ton temps quand tu joues et que tu réfléchis.
Oui, il n'y a pas de souci, assassin, t'inquiète. Il n'y a pas trop de retard non plus. C'est ce que je regardais. Ça, tu t'en fous, regarde, il va te traiter ton pirate. De toute façon, il peut pas me toucher. Alors, le kidnappeur, ouais. L'assassin, camouflage, détruit tout le serviteur blessé par ce serviteur. Ok. Confère camouflage à vos serviteurs jusqu'à le prochain, jusqu'au prochain tour. On n'a pas de late là. Kidnappeur, il sera intéressant pour plus tard. Le kidnappeur, non. Uniquement en combo, une carte de 6, 5-3, c'est pas intéressant du tout. Donc l'assassin ? L'assassin, camouflage, détruit, non. Ça peut servir à faire un combo. Et dissimuler, ça met camouflage à tous vos serviteurs. À tous tes serviteurs. Ouais, dissimuler. Bon, allez. Hop. Alors là, tu reprends. Non, tu attends. La créature qui est sur ta table, tu l'utilises pour taper l'adverse. Comme ça, je me remets camouflage. Tu tapes le héros adversaire et tu remets un pirate derrière. Non, pas encore. Ouais, non, mais je regardais juste. Là, tu l'as carrément rentabilisé, tu vois, tu lui as fait 8 points de dégâts dans la gueule et il peut toujours pas le tuer. Ah merde! C'est pas grave. Il l'a utilisé, il en a plus pour après. Et là, tu vois, sa créature, elle a plus qu'un point de vie. Et donc là, il y a l'assassin qui revient. Non, tu prends la chasseuse tranche. Ah oui, invoque un sanglier. Ouais. Ah ouais. Donc là, tu mets l'assassin ou un pirate, comme tu veux. Ah non, t'as pas vu l'assassin. Bah, tu mets un pirate. Vas-y. Je mets d'abord un pirate. Ouais. Et après, tu mets l'autre là. Ah voilà. Oui. Tac. Voilà. Comme ça, j'ai le contrôle du board. C'est ça. Ok. C'est le côté contrôle du board que j'avais pas trop parce que, comme je te dis, comme j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas ces notions là et. Après, moi, je suis encore dans l'optique, tu sais, Yu-Gi-Oh, Magic et tout, donc de toute façon, t'es obligé de tuer les créatures pour attaquer les points de vie, donc... Mais là, t'es pas obligé. Ouais, je sais, bah oui, parce qu'il y a le système de provocation, et de toute façon, tu peux passer à travers les ennemis, mais... Alors. L'écraseur d'inconnide, il est pas mal. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Alors. Alors là, moi je te conseille de faire une dague. Voilà. Et d'invoquer elle. Voilà. Avec ta 3-2, tu tapes dans la provoque, avec ta dague, tu tapes dans la provoque et ton pirate sur le héros adverse. Rejoignez-nous dans la mort. Faut pas avoir peur de. Non. Voilà la dague. Faut pas avoir peur de perdre des points de vie des fois. C'est sur ça, le... ouais. Comme t'as le contrôle du bord. Non, mais ça je le fais souvent justement avec, avec la voleuse. Avec la voleuse, je fais souvent justement taper voilà. Faut des toujours fois que tu utilises ton arme en priorité avant d'utiliser tes serviteurs. Que voilà, ton perso il va perdre des points de vie, mais vaut mieux perdre des points de vie mais garder des monstres sur le terrain plutôt que c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que là, regarde, c'est pas quoi faire. Donc là, ce serait bien. Corsaire de l'effroi, c'est une provocation. Il coûte 4 et elle va te coûter 3. 3 pour 3-3, c'est carrément rentable. Donc elle ? Ouais. Mais par attaque de votre main, c'est-à-dire ? Ton point d'attaque. Donc là, t'as un point d'attaque, donc elle te coûte un cristal en moins. Ah oui ! Ah, par attaque de votre arme ! Putain, je sais pas lire. Donc je la mets direct ? Bah oui. Je la mets, je mets un autre. Attends. D'abord, j'attaque et je remets les dagues après. C'est ça. Comme ça m'économise deux trucs pour le tour d'après. C'est ça, parce que tu vas pas mettre une créature supplémentaire. Du coup, je tape son. Tu lui tues ça à 1. Hop. Et tu peux lui taper dans la gueule avec tous tes monstres serviteurs. Parce qu'il n'y a aucun de ces deux serviteurs qui va pouvoir tuer ton truc, ou alors il va utiliser une autre carte. Ah, j'aurais dû mettre camouflage après. Non, parce que t'aurais camouflé également ton taunt, et du coup t'as plus de taunt. Ah, s'il est camouflé, il compte pas comme un taunt. Tu peux pas cumuler. Tu peux cumuler le taunt et le bouclier divin, mais pas le camouflage et le. Tu t'en sors toi?
T'arrives à faire des petits trucs sympas. Ouais, t'inquiète pas, assassin, le but en fait de ça, c'est de montrer à Alexis les bases de Hearthstone, pour qu'il comprenne bien comment ça, le système. Et après, on verra. Qu'on gagne ou qu'on perde, c'est pas... voilà. On a gagné une fois, on a eu le paquet, on l'ouvrira tout à l'heure, et puis après on gère. La victoire. Voilà. Parce que de toute façon, il était à 15 points de vie, donc après tu mettais contre le draconien, il n'aurait jamais géré. J'ai 2 victoires sur 3. Voilà, comme ça t'as fait ta mission. 3 victoires. Maintenant, tu vas pouvoir ouvrir ton paquet. Je peux encore en faire une. Fais retour, on va voir tes missions, tes quêtes. Voilà, journal. Alors. Victoire chaman déméniste, druide ou chasseur. Tu pourras prendre un chasseur après. Ouvre ton paquet. Déjà. Est-ce que t'as de la chatte? Alors. Golem des moissons, sympa. Ah tiens, une carte de druide. Ouais, t'as eu un deck, un paquet pas trop mal, t'as eu de rares. Sauf que le paquet de base, c'est une rare et le reste, c'est de la commune. Tu te rends compte que sur mon premier paquet, j'ai quand même eu Isera. Le mec... Donc on retourne sur le bras de fer? Ouais. Et tu prends, on avait dit, le chien, le druide chez l'ange. À souhait. Druide, chasseur, chaman ou démoniste? Moi j'aime bien le druide. Enfin le chasseur. Le chasseur ça peut être marrant. Mais quelle surprise! Des pirates! Pirates! Il connaît pas le principe à mon avis, parce que t'as vu, il a échangé toutes ses cartes. Bien le bonjour. Alors, Bah, tu peux prendre le mécano amplificateur si t'as du bord, c'est intéressant. C'est une application? Non, c'est YouTube. L'emplacement est marqué d'ailleurs. Ah, c'est de la. C'est de la. De la VR, ouais. Oh! Bon, bref! C'est énorme. Eh, hey, tiens, ça peut être pas mal ça. Attends, je regarde les culs. Non, mais. Tir de précision. Non, on prend plutôt la protection sur le feu. Tu mets un autre pirate et tu vas dans sa tête. Donc ça c'est des nouvelles séries sur YouTube. Ou... Ouais, c'est que ta caméra qui filme à 360 degrés. Comme c'est énorme. C'est marrant parce que tu vois pas la caméra dans le miroir. C'est de la 3D en fait. C'est juste... Les meufs elles existent pas. Alors. Donc ça le dompteur ça aurait pu être bien mais tu peux un peu l'utiliser.
Le bombarder, ça peut être cool. Et le secret, quand un personnage est attaqué, ouais, non, le bombardier. Ouais, le bombardier, ça va être le plus. Alors. Donc là, tu fais. Ouais. Au milieu. Au milieu. Voilà. Ah, tu peux choisir où tu places tes. Bah oui. Et là, tu vas dans sa gueule. Encore. Si j'ai rien à craindre de ça. Ouais. Bah, en fait, s'il sort un. Il utilise un sort, ça va gagner un point d'attaque, mais. De toute façon. Tu veux faire quoi de plus? Non, c'est pas un jeu sur le téléphone, en fait, là, c'est une appli... Enfin, c'est pas une appli, c'est quoi? C'est une vidéo sur YouTube où, en gros, ça détecte le mouvement de ton appareil et tu peux bouger dans la vidéo. Puis c'est des meufs qui font du sport. À 350 degrés. À 350, connard. À 350. Ah, c'est vrai? Ouais, 10 degrés où tu peux pas. Alors là, tu prends le tir explosif, qui va être extrêmement intéressant. Et tu fais alors là c'est compliqué. Bah le mécano. Pas forcément. Je remets un pirate. Je mets deux pirates. Tu devrais mettre un pirate. Un pirate et utiliser le. 4 après t'as un tour 5. Ouais, tu peux mettre deux pirates. Bah j'ai ça aussi, non? Pour l'instant tu vas le taper que dans la gueule, c'est pas... Ouais. Hop, avec ta 2-1 tu vas dans la tête. Voilà, et la 2-3 tu tapes sa 2-1. Sa 2-1, non l'autre. Ah bah oui, mais il y en a deux. Ah bah oui, d'accord. L'autre elle avait pas d'effet. Bah oui, mais j'ai pas fait gaffe, tu m'as dit à 2-1, moi j'ai la première 2-1. T'aurais dû me dire le robot... Bah ouais, j'ai regardé tout. Mais il y avait deux 2-1. Wouah, ah, bah il a top deck sorti, il est bien en super truc. Tu peux rien faire. Okiki. Cavalier du roi. Chevalier d'argent. Et là, tu mets ton bombardier. En espérant que. Yes. Allez, encore deux. Ça c'est cul ça. C'est vrai, mais ce connard il m'a tapé moi aussi. Donc là. Bien ça. T'es plus de pirate. Comme ça je pioche un pirate en même temps. C'est une solution, sinon t'as la maîtresse des diablotins, à chaque fois qu'elle se prend un dégât, elle invoque un diablotin à côté. Parce que ça me permettrait de détruire son secret en fait. Vas-y, fais, prends ça. Voilà, maintenant tu. Voilà, vas-y. Ou non le. Non. Prends plutôt la charge, voilà. Tu vas taper la 2-1 avec la charge. Ça? Voilà, ouais. Et avec l'autre j'attaque directement. Ouais, t'as plus dans la tête. 5 de dégâts, vous mettez directement dans la tête. Pas forcément, ça dépend du contexte. Ouais, mais là en l'occurrence, tu vois, les autres en face, ils me font pas peur quoi. C'est quoi le nom de la vidéo, il demande à Assassin? C'est pas pour les enfants. Il dit qu'il était au collège. T'es pas assez majeur. Nous on est assez. Voilà. Nous on a. On est... même c'est en quoi? C'est en chinois? Non, c'est du coréen. En coréen, donc je pourrais pas te dire. C'est du coréen. Le démolisseur il est intéressant. T'as pas de monstre sur la. Enfin, t'as pas de. Tu vois? Moi je te pense. Prends le démolisseur, tu vas faire un truc sympa. Tu mets ton démolisseur. Tu mets ton amplificateur. Amélioration.
Ok. Donc maintenant, tu avec ton tome, tu vas taper dans sa tête. Voilà. Ah, il y a moyen là. Il y a carrément moyen. Il y a moyen de moyenner. Putain, je vais me choper un verre. Là, là, tu me chopes mon verre sur ta table. Vas-y, ma queue. Ou un autre verre, du coup, je sais pas. Il t'a pas fait la vaisselle. Si tu veux boire, t'as qu'à laver ton verre. Non, je rigole. Bon, bah, je vois pas. T'es sérieux? L'emplacement est marqué d'un. Il a dit, il est en troisième. Bon! Donc là, t'es obligé de prendre l'enseignant de cours parce que t'as rien de mieux à mettre. Ah, attends, non. Donne plus de l'attaque à votre mecha. Non, prends le bondisseur à dents de métal parce que t'as un mecha sur la table. T'as deux mechas. Donc là, tu le mets. Fais voir ton autre carte, ton pirate, c'est ça? Bah, tu. Attends, t'as combien? T'as 5, 6, 7. Bah, tu mets ton pirate. Voilà. Attends. Ok, son secret. Ok, vas-y, maintenant tu mets l'autre. Voilà, ça le bondisseur. Peu importe où tu le mets. Oui, non, mais c'est pour le principe. Voilà. Maintenant que je sais, je peux tu le faire. Tu utilises ton pouvoir héroïque. Ok, tu tapes avec ton. Voilà, lui, avant. Ok, vas-y. Oui okay. Non, t'as pas gagné, il avait un bloc de glace. Mais en fait, pourquoi je t'ai fait faire ça dans l'ordre? C'est pour que tu descendes au plus bas de ses points de vie. Ah, si t'avais oui. tapé, en fait, il lui restait 6, lui restait 6 points. 5. Putain, ouais, non, d'accord. 5 points de vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, parce qu'il faut d'abord. Parce qu'il allait pas. Il allait l'utiliser sur le dernier avec qui j'allais attaquer. C'est ça. Donc, valait mieux que je fasse même d'abord si t'avais des dégâts. Genre 20 points de vie de dégâts, bah, il serait resté à 20 points de vie. Bah là, en fait, j'utilise mon pouvoir héroïque, je le bute. Ah oui! T'as compris maintenant? Ah, bien ouais! Faut réfléchir à tout, Alexis. Bien ouais, je vois ça. Bah oui. Faut réfléchir à tout. Eh, hey, récompense pour 3 victoires en mode bras ouais. de fer ou partie. Maintenant, c'est soit un druide, soit un chasseur encore. Bah, on va alterner un petit peu, on va prendre un druide. Malfurion! Malofion! Malofo? T'as bientôt fini ton stage ou quoi? Je dois protéger. Du temps Jackie là. Ouais, il a peut-être déco. Mais c'est pas grave, on est plus patient que lui. Il y a souvent des gens qui font ça quand ils sentent qu'ils vont perdre ou alors je sais pas quoi. Ils arrêtent de bouger la souris. Et puis ils jouent au dernier moment ou alors ils essayent de faire sans que tu abandonnes parce que t'en as marre. Alors. Ils tombent pas dans le piège. Donc là, bah, tu prends soit le balayage, soit le champion du Nexus. Ah, champion du Nexus parce que j'aime bien. Et donc, c'est quoi ce... Plus un attaque... Pour... Ah, en fait, il se transforme en... D'accord. Parce qu'après, comme j'ai joué un peu à World of Warcraft... C'est qui, Jackie? Y'a personne qui s'appelle Jackie, là, mais c'est... Quoi, notre Jackie? Ouais, j'ai peut-être. Je le dis tellement souvent que j'ai pas dû faire gaffe. Bah, tu connais Jackie et Michel, assassin? On va commencer par les bases. Oh, tu connais forcément, attends, tout le monde connaît.
Attends, je te l'ai joué pour ce PC. Oh, trop aimable. Bah, j'ai gagné. Mais sérieux? Bah ouais. Il a abandonné? Non, j'ai gagné. Il a vu que c'est moi qui prenne la souris, il a fait oh, vas-y, sa mère. Regarde le stream en même temps. Le hasard total. Ça arrive souvent, ça. Ok, donc il a quoi encore comme quête à faire, lui? Chaman ou démoniste? Putain, qu'est-ce qui se passe? Allez, on prend chamois. Assassin, donc il connaît Jackie Michel. Putain, bah bravo. Ah ouais, je te félicite pas. Du coup, tu fais la tu vas en navigation privée pour aller de FAP. Oh, papa et maman, ils voient le désastre. Tu sais, ça commence comme ça et ça finit par geler les petites gonzesses. Hein. Oh, arrête. T'as déjà embrassé une fille? Salut. Ah, est-ce que t'étais là quand Alexis il a fait salut hier? Jouer, tu m'expliques pourquoi tu fais tes choix. Donc là tu joues c'est chaman. Bien. Elisa, je sais pas son nom. Sur tu kiffes, vous connaissez. Qu'est-ce de quoi tu parles? Et il dit, Assassin, il dit j'étais pas là quand il a fait. Ah, c'est dommage. T'as raté un grand moment. Oh putain, je l'ai pas regardé tout à l'heure. J'ai... Mais moi, je l'ai pas revu. Du coup, j'ai eu aucun truc avec l'audio coupé ou quoi que ce soit sur. Non, je crois pas. Je crois que je le mettre en ligne sur la chaîne. Fuck le vizir. Fuck le vizir. On voit pas du tout de quoi tu parles quand tu parles de Lisa. Est-ce que tu peux être un peu plus précis s'il te plaît? Parce que là... Lisa, je sais pas son nom. Sur tu kiffes. Vous connaissez. J'arrive pas du tout. Hein. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Oh, Reno Jackson, c'est un des personnages de la nouvelle extension, ça. Ouais, mais là, il sert à rien. Ouais, non, mais je disais juste que c'était... Il a dit rien, laisse tomber. Bon, ok. Donc, alors, comment il marche, le chaman? Il invoque des totems, c'est ça? C'est des totems aléatoires? Mais non, mais... Je te pose des questions, réponds-moi au moins sérieusement. Sérieusement? Je sais pas. J'en ai marre. Tu me fatigues! Donc là, je lui fous une pression, sa mère. En fait, tout tourne autour des totems à la base. Mais putain, il est sérieux, lui. C'est pas grave. Bah voilà, tu vois. Quand c'est moi qui joue, ils abandonnent tout le temps.
Il impose le respect. Il impose le respect. Non, prends le chien. Tu comprends. Bon, on termine cette mission-là pour faire une petite pause. Et bah, je sais pas, après, on va faire quoi? Alors, le maker? Ouais, je sais pas. En tout cas avec Mario Maker, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas forcément très intéressant, tu vois. On peut le faire quand il y a plus de monde. Ouais, bah là on pourra jouer tous. Mais Vincent, il sera peut-être plus impliqué. Pour Marteau du Destin. Je vais avoir 17h chez moi, dans une demi-heure. Bah voilà. Excusez-nous, monsieur, j'ai une obligation. Monsieur, je suis pédé. Ah ouais, il y a une différence de level, c'est sûr. Quoi? Dis pas du coup que je suis pédé. Pourquoi? Pourquoi t'es pédé? Je suis sympa. Oh putain, c'est la fête. Voilà, ouais. Bon, tu veux lequel? 2 plus 1 plus 1 à tous les serviteurs dans votre main et votre dash. Je le dinosaure. On va reprendre ça. De toute façon, il y a c'est rien. C'est dinosaure. Ça va. Ouais, là, vous avez tout fait toute l'heure à dire. Le truc à proposer, on n'a pas demandé. Non mais, vous savez, mais c'est le mec, pour moi, voilà, j'ai plus rien à manger. 3 pauvres dinosaures et il n'y a plus rien. Putain, ça déconne, il y a des cartes de merde. Elle est bonne. Donc ouais, vas-y, explique le principe des totems. Donc ça invoque un totem aléatoire, mais t'as quoi comme genre de totem en fait? Y'en a 4? Totem de soin. Attends. Prends ça. T'as le totem de soin, le totem de taunt, le totem qui te donne plus 1 dégâts des sorts, et le totem qui est 1-1 en fait. Donc ça c'est les totems qui te donnent ça dans ton pour ton pouvoir héroïque et après t'en as toute une série, c'est ton tour de ça en fait. Ce qui est bien aussi avec le chaman, c'est que tu peux invoquer de très grosses cartes rapidement. En contrepartie tu perds des cristaux de mana. Enfin, qui sont ah oui, il y a des cristaux qui sont bloqués, ouais. Donc tu dois attendre le tour suivant ensuite pour les réutiliser. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la surcharge. Et ces totems, par exemple, tu peux les échanger contre des trucs ou genre t'as certaines cartes, si t'as tant de totems, ça fait tel truc, tu vois. Donc, tu vois, regarde là, j'ai un totem qui me donne 1 dégâts d'essence supplémentaire. Donc je vais l'utiliser parce que ce monstre serait chiant. Là, je lui ai fait 5 points de dégâts, j'ai le seum. Ah, c'est aléatoire? Ouais. Damido, il t'a demandé en... Ouais, ça marche. Il a appelé Dominos. Dominos. Dominos Pizza, bonjour. Je vais te niquer. Je sais plus dans quoi ou c'est un truc, monsieur Poulpe, il fait ouais. La dernière personne avec qui je me suis embrouillé... Avant, elle habitait en face d'un cimetière. Maintenant, elle habite en face d'un cimetière. C'est dans une vidéo. Je sais pas, dans un truc du déjà-pied ou je sais plus quoi. Ou... Mais non, c'est dans le truc là pour chargeur de portable. Là, quand ils sont déguisés en cow-boy. Ouais, je sais plus du tout. Ah, il dit j'ai fait exprès de taper Dominos. Heureusement. Tu sais ce qui manque de Hearthstone? Des personnages de StarCraft. Le mec qui a pas compris l'intérêt du truc. Bon, raquem-toi. Tu
Tu fais une gorge profonde ou quoi? Ah, tu savais. Non, ça il le fait super bien. Oh. Oh, il est dur. Oh là là. Oh, l'autre, t'es Dr. Boom quoi. Dr. Boom, c'est par rapport à Dr. Doom dans les 4 Fantastiques, c'est ça? C'est une blague? Oh! 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 Peut-être va en acheter une, non? Mais en plus, il a la petite capuche verte et tout, ouais, c'est Dr. Doom. Ils sont rigolos dans Warcraft quand même. Hein. La puissance de Dalaran dans toute sa splendeur. Hein? Ouais, j'ai le meilleur des champions du match. C'était la voix de Johnny Depp? Ronin. Zéro du coup. Et plus puissance. L'emplacement est marqué d'œil. Faut que tu poses une carte, non? Parce que tu vas être obligé d'acheter. Vous pouvez refaire le salut d'hier. Non, c'est pas faisable. Salut. Je l'ai fait. En fait, c'est parce qu'il a. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma gorge. Il y a eu un blocus ou quoi? Il y avait du sang. Merde. Non mais, dans le sens où le truc a pas voulu sortir correctement et du coup j'ai... Salut. Salut. J'ai donné le sang. Ah non, j'ai une mini mutation qui s'est provoquée là. T'es en train de perdre là ou c'est moi? Bah ça m'arrive. Ça peut m'arriver. Spoil de loup. Non 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 non. La partie est terminée. Tu sais ce que c'est au moins? Non mais pardon. C'est Eddie Mitchell. C'était sa dernière partie. Je tasse sa cigarette. Et puis la salle d'arcade a fermé. Tu démuais. Ah! Un secret! Oh. Heureusement, t'as attaqué avec le petit du coup. J'avais tout prévu. C'est vrai en plus. Le plaisir. Heureusement, Gustave Eiffel, architecte visionnaire, avait tout prévu. Isera, ah, toutes les légendaires bien quoi, c'est ça qui est ouf. C'est que moi j'ai eu que dalle. Ça me donnerait presque envie de jouer à WoW. Presque. En fait, c'est quelle carte qui augmente la puissance de tes monstres là? Parce qu'il y a une carte à chaque fois. C'est une carte que j'ai eu tout à l'heure. Et c'est parce que c'est pas tous les monstres, elle augmente juste les. Quel type de monstres? En fait, elle augmentait tous les monstres que j'avais dans la main. Et là, bah, comme j'avais un pirate dans la main. Ah, c'est les cartes que t'avais au moment où ça l'a fait. Et c'est toutes les cartes du deck en fait. Oh, top deck. Oh, tu peux rien faire dans ces moments là. Quand t'es face à un gros château de la vie, tu peux rien faire.
Parce que là, je l'ai niqué. Hein. Ah bah oui. Allez, on perd pas confiance. Et la vie est une maladie sexuellement transmissible. C'est vrai? C'est ça qui est marrant. C'est là que... Comme la polio? Et la pogno? Faut pas hésiter à s'hydrater. Dans la classe, on peut l'hydrater. Oh putain. Au marteau du destin. Eh, hey, salut Momo. Salut. Salut Momo. Ta gueule. Faucheur 4000, genre c'est le faucheur édition de luxe. Ah mais c'est un tour 8. Hein. Que faire? Que faire? Le problème de cette carte en fait, c'est qu'elle est hyper intéressante, mais je suis pas sûr qu'elle soit utile en fait dans ce contexte. Parce que d'autres cartes, on va avoir d'autres cartes et je vais avoir pas mal de surcharges. Ouais. Donc je préfère, tu vois, avoir des tours un peu plus late, plus early, pour lâcher plus de cartes, parce que là ce qui va compter surtout, ça va être la présence sur le board et le contrôle. Alors tu vois, regarde, parmi toutes les cartes qu'elle a, cette carte elle est pas mal parce qu'elle va faire 2 points de dégâts à 2 serviteurs aléatoires. Mm-hmm. Il y en a qu'un. Là il y a le chevalier de Hurlevent qui a une charge et qui est une 2-5 qui est pas mal non plus. Mais qui a pas mal de défense, elle fait pas trop l'attaque, mais l'avantage c'est qu'elle peut résister ça aux assauts. Ça peut booster et tout ça dans le contexte du chaman, mais bon, c'est plus compliqué. Et t'as celle-ci que je vais prendre parce que c'est un super tour 3 et c'est avec n'importe quel totem aléatoire. Donc ça, en fait, ça fait comme si tu mettais la carte plus le totem en fait. C'est ce qui va arriver, mais c'est un totem aléatoire. Donc ça peut être les 4 totems de mon pouvoir héroïque ou alors d'autres totems. Ah, ça peut être aussi d'autres qui sont pas... Parce que j'ai d'accord. Deux totems encore, il y a des totems qui boostent l'attaque, enfin il y a plein de trucs, c'est vachement... Le nouveau bras de fer est bien avec le mage. On l'a fait tout à l'heure, j'ai pas vraiment beaucoup apprécié, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça va être intéressant pour plus tard si je chope une grosse carte. Et l'arène, c'est que de l'aléatoire ou c'est avec un deck à toi? L'arène, c'est un deck que tu construis. Avec des cartes que tu as? Non, que tu construis. C'est des cartes qui sont 3 cartes. C'est comme ça, c'est le même principe. D'accord. Il y a 3 cartes qui se présentent à toi. Donc aléatoire, tu peux avoir des cartes. Et tu choisis parmi les 3. Tu peux avoir des cartes que t'as pas encore ou quoi? Voilà, c'est ça. Okay. Et des cartes d'extension que t'as pas achetées. Ah, confère un serviteur à d'agonie, réinvoque ce serviteur. Ça, c'est pas mal. Bah, du coup, on va être obligé de trade. Et hop, et là, tu vois, ça me fait 2 créatures sur le bord. Et là j'ai ce totem qui va me rendre 4 points de vie. Ah bah c'est bien ça. En plus t'es pas tombé sur un totem pourri quoi. Je peux attendre et pêcher toute la journée. Ah, il a invoqué un espèce de pêcheur. Net Plagueur, mais c'est nul. Alors ça c'est la meilleure carte du truc. On va la prendre. Furie des vents, donc elle tape 2 fois. Charge, donc dès que tu l'invoques, elle tape bouger divin et en plus elle la provoque. C'est ça. Elle est complètement craquée. Men, c'est pas une carte, non? L'emplacement est marqué d'ail. Et c'est quoi sa légendaire là qu'il a posé? 50% de chance de piocher une carte. Il va piocher que des pirates. Ah oui, non, il dit qu'il avait une bonne main quand il a commencé en fait, c'est tout. Cible repérée. Ça fait chier par contre. C'est ta plaine qui chie de ouf. Moi je prends ça.
Destructeur garde de feu, cri de guerre, donc ça peut gagner de 1 à 4 points d'attaque et une surcharge de 1. En plus, le cri de guerre il va être efficace parce que t'as 6 points de vie. Donc, on va voir si ça va être bien ou pas. C'est respectable. C'est respectable. Par contre, j'ai rien pour la tuer, son truc. Si je tape, il va m'infliger. Non, faut que tu. Je me demande. Ah, oui, oui. Comme ça, même s'il arrive à te la tuer, elle sera suffisamment puissante pour lui bousiller toutes les cartes qu'il va lancer. J'ai ça après. Ah, oui! Soit j'attends le tour 10 et je la combote avec mon Alakir. Donc ça c'est aléatoire donc on s'en fout, il a très mal utilisé d'ailleurs. Après, on est d'accord que le fait de connaître les cartes ça aide. Dans le jeu. Ah oui mais c'est essentiel. C'est à force de, base, à force de jouer, il y a des cartes que tu connais quoi. Ah oui mais ça c'est carrément la base. En fait je bras de fer et bien si au début. Essayez d'écrire bien, s'il vous plaît, c'est incompréhensible. En fait, je bras de fer, eh bien, si à début de jet de tour, tu as. tu as de bonnes cartes. Ah, si au début de chaque tour, tu as de bonnes cartes. Oh là 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 là. Désolé, non, mais c'est. Waouh. Redis-toi, je pense que si tu redis au moment, tu arriveras. On est peut-être trop vieux, on comprend plus tout ça. Tu vois, il est tué, mais il revient. Par contre, il a plus son boost, mais c'est quand même une 3-6. Ouais, c'est pas négligeable. Ça va 3-6 qui a toujours son pouvoir d'avoir de gagner plus 1 à chaque fois que tu vas faire des dégâts. C'est ça. Désolé, faute de frappe. Ouais, je vois ça. Ouais, faute de frappe, faute de frappe. Oh. Ouais, faute de frappe dans ta tête, eh oh. T'invoques pas un totem si. Et du coup, c'est quoi explosion C'est. Ça va être mon finish, ça. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, il fallait garder. Parce que là, c'est 6 points de dégâts. S'il lui reste 6 points de vie, hop. Tu finis direct, tu m'embêtes pas. Là, c'est 5, mais là, c'est 6 parce que j'ai ça qui booste. Ouais. Vincent, c'est moi ou t'as. C'est toi. T'as allé trop près de la bouche. Non, j'ai entendu un bruit, c'est pour ça. Je serais pas en train de foutre de la gueule par hasard. C'est parfait. J'ai déjà lui, donc je vais pas. Je peux essayer une carte, elle coûte 3 cristaux de moins. Ça va être forcément pirate, donc il sera gratuit. Et je vais prendre Alakir. Oh, bah non. Dans ta mère. Je vais faire ça. Pourquoi il a pas gagné un point? Ah, c'est quand on lui inflige des dégâts. C'est-à-dire, si c'est toi qui attaques, ça le fait pas. Comment ça? Bah, t'as bien vu, il a pas gagné de point d'attaque, ton serviteur de feu, là. Non, c'est un cri de guerre. Ah, c'est quand il entre en terrain. Ouais, voilà, d'accord. C'est ça. Ouais, c'est pour ça, tout à l'heure, il a gagné 2 points d'attaque, en fait. Ok, exactement. C'est de 1 à 4, c'est aléatoire. C'est pour ça que tu disais ouais, je vais voir si elle est bien ou pas. C'est quoi ce qu'il a mis dessus? Il lui a donné 2 points d'attaque supplémentaires et il l'a rendu insensible. Mais c'est pas grave, ça dure juste son tour. Insensible, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu l'attaques. Insensible! Quand tu l'attaques, il perd pas du tout de. Il perd rien quoi. Et quand lui attaque, pareil. Alors. C'est encore mieux qu'un bouclier divin parce que ça dure tout le. Il faut pas déconner! Ouais, j'espère qu'il est bien. Je me demande. Si je fais ça. Neptulon. Si je fais
ça. Ouais, moi je vais m'arracher. Que faire? Voilà, il arrive, il fait son niveau, il s'en va. C'est ça. Tu crois qu'on est une fille facile, hein? Hein? Tu crois que tu peux venir comme ça, faire ton affaire et repartir après? Hein? Sans laisser un petit mot, sans même... Sans rappeler. Sans rappeler. Attends. Oui, ils disent tous ça, hein, ça va. Et ils me rappellent jamais. J'éteins ou tu veux essayer? Non, allez, ce côté enregistre là juste. La... Ah oui, attends, là. Donc là, tu vois, il est dans la merde. Je vais le buter, le prochain tour, il est mort. Tu vois, Vincent est d'accord. Et on va le taunt. Au moins, ça va, t'as les couilles de partir alors que je suis réveillé. Tu vois. Non, mais j'ai prévu, fait que je me barre vers 17h. Ouais, je me barre pas. Moi, je suis con. Je connaissais une meuf. Voilà, t'es con. Je connaissais une meuf, elle avait ramené un mec de boîte. Et genre, le lendemain, il s'était barré alors qu'elle dormait encore. Et en plus, il lui avait pété des trucs. La chance, hein. Alors, il y a Assassin qui dit tu sers à rien. Ah, t'aurais dû tuer la carte qui invoque des serviteurs avec des pouvoirs héroïques. Non, mais là j'ai fait un misplay. Il sert à rien, Vincent. Il t'a pas vu. Ouais, mais... Non, mais je sers à rien, mais je connais pas et je suis pas vraiment attiré par le jeu spécialement. Donc... Ah, ouais, t'as complètement déconné en fait. Ah, ouais, putain. Je peux pas participer. Oui, je sers à rien. Oh, c'est con! Alors attends, je sais pas c'est quoi son secret. Si son secret. Ouais, c'est les mecs. 5. Tu fermes bien la porte en partant parce qu'à chaque fois tu sais pas fermer les portes. Salut gros. Oh putain. Je parie combien c'est un plus explosif. Oh ça merde. Bon bah j'ai pas mis de les gars. Oh t'as chié. C'est dommage parce que là t'étais. Je le battais là. Bah complètement. En fait j'ai joué, tu vois c'est ça qu'il faut faire, c'est pas jouer trop vite, faut lire les cartes avant de jouer. Parce que j'ai en gros... T'as mal lu la carte. Ça détruit, ça fait ça sur toutes les perses, tous les mobs de toutes la les, table. Tous les serviteurs ouais. Et pas juste les serviteurs adverses. Bon c'est pas grave. Ouais bon t'as raté. Bon. Hop. À faire la petite pause. Hein, on revient d'ici quelques minutes. A tout de suite.
Je sais, le seigneur du feu. Un jour, je serai comme vous. Donc, alors, nous revoici. Donc là, on regarde la game d'un ami à moi. Qui joue donc chasseur, il est sur le ladder. J'ai ajouté. Les bêtes m'obéissent. Il est 17h, il est un peu plus tard, évidemment. Ah bah tiens, il y a Vincent qui est là. Le mec il se barre pour venir sur le chat. Là il faut qu'il foute sa game. En fait, mon frère est pas encore là, du coup, je suis un peu. Du coup, dis-moi, Vincent, pour le son, si c'est bon, genre si le son du jeu est pas trop fort, s'il y a pas trop de bruit de fond sur le micro, tout ça. Ouais, si tu veux, après on fait une game. Mais tu stream Mac pas. On peut faire un bras de fer après si tu veux. Tu veux choisir de faire un bras de fer contre quelqu'un? Ouais. On va faire un bras de fer parce que t'as pas beaucoup de cartes pour faire du pouce. Tu crois qu'il peut encore s'en sortir? Et j'avais une question aussi. Alors, mais genre un tout petit peu trop fort, pas la peine de l'essayer. Alors, le son du jeu il dit un tout petit peu trop fort. Genre comme ça devrait être mieux.
Hop, tu fais le bras de fer. Va ton bras de fer. Attends, j'envoie un petit message. Alors. Bon, on t'attend. Donc après, tu vas dans là où il y a tes amis, là. En bas à gauche. Et bah, ils ont battu le poney, ceux qui se connectent. Bon, en t'attendant, on va reprendre le chaman. Non, il disait juste de pas regarder le stream pendant qu'on joue, quoi, c'est tout. Thrall contre Jaina. Vous l'avez cherché. Pour marteau du destin. Allez. On y croit, tout est possible, tout est réalisable. Mais tu joues pas contre lui, quoi. Non. Il est toujours sur le battle point. Faudrait qu'il lance un stream pour. Attends, bah vas-y, va. Attends, bah, décale-toi. C'est quoi les deux mecs que tu regardais l'autre fois qui streamaient sur. Enfin, qui parlaient d'Hearthstone, genre qui ouvraient des paquets et tout. Je sais plus. Tu avais regardé une vidéo. Bah, t'en as plein qui sont bien. C'était Hearthstone FR, un truc comme ça. Ah, ça existe plus. Ça existe plus ? Ils ont dissous leur truc. Ah, dommage. C'était Hearthstone FR Strategy. Maintenant, ils ont deux chaînes à être. T'essaies d'avoir le l'or pour le succès. Bah comme ça tu valides ta, ouais, ta quête, ouais. Et on pourra faire une arène. Non, non, c'était pour être sûr que c'était bien ça. Ouais, bah du coup attends deux secondes parce que... Tu vois, regarde, là il lui a fait gâcher deux cristaux parce qu'il a dû utiliser son pouvoir héroïque pour tuer mon pirate. Ouais. C'est à ça qu'il faut penser, il faut penser à tout ça, tous ces éléments en fait.
vérifier un truc. Donc tu vois, cette carte là, elle donne +1/+1 à tous les serviteurs dans ma main et dans mon deck. Donc tous mes pirates sont 3-4 maintenant. D'accord. Donc j'ai 27 pirates, en fait. Tu vois, c'est ça qui c'est intéressant. C'est moment. D'accord. Bah, du coup, tu peux le voir en meilleure qualité que. C'est Momo, c'est grâce à une légendaire que j'ai utilisée tout à l'heure. Allez, tu vises ton flame strike. Tu vois, y'a que des échos de ton. Tu peux rien faire là. Non, mais là il a un flame strike, regarde. Ah non. Oh, il est mort! Est-ce que ça nous dérange plus que ça? Allez, le taunt.
pense que là il va taper face. S'il tape face, pff, je fais 11. Combien il a de points de vie en face? Ça, j'aurais dû prendre mon truc pour me soigner. 23. Je serai chevalier. Salut Vincent. On va voir. Pour l'instant, il a pas de carte. C'est assassin. Ouais, le baba, c'est assassin. La puissance de Dalaran dans toute sa splendeur. Ah, t'as deux fois la même carte là. Recombobulateur. J'ai fait ça, c'est pour pas que son truc il puisse choper. Il sort, prochain tour je le tue normalement. Et mon totem de soin il me permet justement de soigner ma créature. Donc du coup il peut pas lui retirer 2 points de vie. À moins qu'il chope un sort ou un truc qui booste, tu vois, pour provocation, on s'en fout. On s'en pète un peu. C'est à chaque fois que j'invoque un totem. En fait, à chaque fois que j'utilise mon... C'est une exaltation. À chaque fois que je vais utiliser mon pouvoir héroïque, ça va le faire. Ah. T'as pas moyen de le tuer, le connard? Je veux pas le tuer, je veux pas lui donner ça. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, ouais, tu me gênes.
deux spectateurs là du coup sur ta game. Et regardez le stream au lieu de regarder sur le jeu. En plus vous avez un décalage. Donc là hop, et là je peux licher son truc parce que ça lui donnera que dalle. Sauf si... Non, c'est bon. Ouh, ça va bien faire mal ça. Ok, donc 3. Bah c'est bon. Ouais, à mon avis son secret ça va pas se déclencher. Voilà. Ok, en fait c'était si j'invoquais une créature. Là on a assez pour lancer une arène. Ouais. Mais on a promis à lui. Attends. Ah c'est ça, on a promis d'abord à Momo et après on le fait avec toi. Après ça, on va changer de jeu, on va repasser sur sur Mario Kart à l'ancienne. Mario 64. Ça me fait chier que cette ampoule elle pète à chaque fois. C'est pour qu'il voit ce que tu tapes sur le stream. Mais je sais. Mais je crois que je sais. Et donc, je suis pas crétin non plus. Tu fais indéfiniment en fait bon, allez. Les trucs des victoires. Hmm. Tu fais les enfin le mode de bras de fer, tu fais indéfiniment. Oui, tu peux le faire indéfiniment. Enfin, en fait, c'est du mercredi jusqu'au lundi, je crois. Lundi ou dimanche. D'accord. Et ça sort tous les mercredis, t'en as une nouvelle. Donc c'est intéressant de le faire. Et tu peux faire qu'à partir du moment où t'as un héros niveau 20, c'est ça? Ouais, c'est dommage, on a même pas entendu le salaud quand il nous a suivi. Ah bah d'accord, mais il faut qu'on fasse un truc amical. Non, non, non. C'est un défi qu'il propose, c'est pas en vrai, ça va dans le bras de fer. Hop. Voilà, tu vas au truc des amis là, à gauche. Et tu cliques là, voilà.
après si jamais. Bon allez, tu veux qu'on essaye quoi du coup? Bon allez, le guerrier. Ouais, vas-y, lance le guerrier. On n'a pas trouvé le guerrier, donc en plus guerrier moi c'est une classe de tank et je joue tank sur sur les jeux donc voilà voilà. Jaina contre Jarosh. Vous l'avez cherché. La victoire ou la mort. Alors. C'est tombé pareil. Elle a des gros seins quand même. Oui, ce que je me suis dit aussi. Alors. Bonjour. Peut-être le Yeti. Le problème c'est que l'ordre de bouclier c'est bien, mais je sais pas si on va utiliser beaucoup en fait. Les de bouclier. L'idéal en fait, ce qu'il faut là, c'est qu'on ait bord. Et j'espère qu'il y a un peu de stream. Je vais cliquer juste là. Voilà, ça va. Assassin, est-ce que tu nous entends correctement? Parce que j'ai fait des petites modifications au niveau du micro, donc si t'entends pas bien ou si la musique du jeu est trop forte, tu dis. L'emplacement est marqué d'Aix. Ça c'est bien. Ça va nous servir, je pense. Il y a des chances. L'entraînement mène à la perfection. Bien joué. J'ai utilisé tonte. Ça ajoute à tes points de vie, mais c'est pas des points de vie supplémentaires. T'as 30 points de vie, tu peux pas les dépasser. Les boucliers, tu peux aller jusqu'à l'infini. Ouais, bah oui, je sais. Ça peut faire grave, c'était à la droite. Genre, tu peux pas régénérer des points de vie, c'est déjà au maximum. Ça rentre pas trop loin. Toujours avoir des créatures sur le bord. Tu vois ce qui est chiant contre Mage, c'est qu'il a le secret de l'entité miroir. L'entité miroir, c'est par exemple, je sais pas, je vais invoquer une gros Mage, et ben il va avoir une copie également. Ça c'est chiant. Juste. Et il y a un bloc de glace. Donc là, t'es top là. Je vais laisser le taper. Parce qu'en fait, si je le tape, tu vois, à la fin, quand on le tue, sa rate d'agonie, c'est que ça inflige 2 points de dégâts à tous les personnages.
Ouais. Donc du coup, si je le tape avec les deux, je vais avoir une créature avec un point de vie. Donc je vais laisser le taper. Je vais laisser le mettre du bord, tout à l'heure, ça me dérange pas. Il vide sa main, il devrait pas. Là, il me tape. Et est-ce que du coup le guerrier, c'est un genre de deck qui se joue plus défensif que d'autres? Ah oui, le guerrier. Parce que le guerrier c'est une classe de tank à la base de Warcraft. Donc en logique, ça, c'est pas une classe qui est plus défensif. C'est notamment, il a beaucoup, guerrier, tu joues contrôle. Il a beaucoup de provocations, bouclier divin, etc. Et il a des armes. C'est aussi le paladin, c'est un peu la même chose. Le paladin, non, c'est pas pareil. Le paladin, il va jouer beaucoup avec les boucliers divins. En fait. Je te dis, c'est juste la même chose dans le sens où c'est un jeu plus défensif par rapport à des trucs comme par exemple le mage ou le voleur. Ah oui, beaucoup plus. Le mage, il est très Contrôle aussi. Après, ça respecte quand même les canons et des jobs qu'il peut y avoir sur Warcraft à la base. Ouais, dans un sens, ouais. Puis tu regardes même les cartes qui sont affiliées au deck paladin par exemple, en général c'est des cartes qui vont avoir beaucoup plus de points de vie. Les cartes sont très résistantes mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'attaques. Et à l'inverse, le guerrier c'est une carte qui a plus d'attaques. Tu regarderas les cartes du guerrier, c'est que du contrôle. L'objectif c'est que tu places ta carte, ça va être le match-up avec le guerrier c'est compliqué. Parce que le guerrier en fait il a de quoi contrôler. Enfin, quand tu dis contrôle, c'est-à-dire contrôle, c'est tu fais toujours en sorte de détruire les monstres adverses, les serviteurs. Les points de vie, tu t'en occupes en second lieu, tu vois. D'accord. Et tu fais toujours en sorte de faire des obligatoires pour que toi, tu aies une présence sur la table. C'est ça le contrôle. C'est l'idée à avoir. Et après, tu fais du OTK, donc c'est du One Turn Kill. Mm-hmm. Et c'est genre le gros mage, tu vois, là, il a 4 points d'attaque. 6 points d'accès de rage et t'as des cartes qui te permettent d'avoir un peu plus, tu vois, plein de trucs comme ça. D'accord. Et l'accès de rage, est-ce que ça peut marcher si toi tu lui infliges des dégâts à ton personnage? Genre imaginons, t'as une carte justement qui te permet d'infliger un point de dégâts, genre un sort ou quoi, et du coup tu l'utilises sur ton monstre pour augmenter ses points d'attaque. C'est faisable ou pas? Genre en gros c'est un espèce de mode où tu vas te faire des dégâts à ton monstre pour le rendre plus fort. Oui, ça c'est l'accès de rage. Oui, non mais... Mais c'est valable qu'une fois. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est... Imaginons que t'as un sort qui fait un point de dégâts sur un serviteur que tu choisis. Et ce que tu fais, c'est que t'invoques ton monstre, et au lieu d'attaquer un monstre à lui ou son personnage, tu vas attaquer ton propre monstre pour que ses points de vie d'attaque soient plus élevés. Non, y'a pas. Tu peux pas faire ça? Non. L'accès de rage comptera pas. Si c'est toi qui inflige les dégâts, ça compte pas, c'est ça? Ça peut compter, mais seulement sur les créatures qui ont l'accès de rage. Oui, mais c'est ce que je dis, tu le fais sur lui. Oui, oui, bah oui. Si tu le fais sur lui, ça marche. C'était pour te demander si tu pouvais faire des combos comme ça où tu t'attaques toi-même pour faire plus de dégâts en fait. Ouais, bah je vais te montrer après. Mais toutes les cartes ne font pas. Ce monstre-là peut pas attaquer ce monstre, tu vois. Oui, non, c'est ce que je dis, mais c'est pour ça que je t'ai parlé d'un sort. Parce que le sort. Ou en l'occurrence, il aurait marqué choisissez un serviteur, là ça marche. Faut bien lire les cartes aussi parce que tous les sorts, tu peux pas attaquer forcément tes serviteurs. Oui, bah oui, non, mais c'est ce que tu vois, dis. C'est faire. Mais dans l'optique où t'as une carte qui peut le faire, autant le faire. Parce que ce sera qu'un point de dégâts que tu traites genre 10 points de dégâts, tu vois. C'est de ça que je te parlais, c'est d'essayer de faire des combos comme ça où ça se trouve, il y a même des decks qui jouent entièrement là-dessus, sur le fait de faire des dégâts à tes propres monstres pour qu'ils soient plus puissants. Oui, bah ouais, c'est... Un peu comme le style de jeu du Sacrière, tu vois, souvent. Tu traites tes parmiers pour de la puissance. J'appelle ça le jeu sadomaso, mais... D'ailleurs, tu sais ce que ça fait, Osamoda, ça, à l'envers? Et les Enirixa, ça fait Aspirine. Oui, mais c'est que ça, bah oui, les classes, c'est... Et Kaflip, c'est pile ou face, pile face. Et Kodot. Et Yop, c'est pour. Sacrieur, bah, c'est dans le monde. Sacrieur, sacrifice. On est d'accord que là,
les cartes, c'est que des cartes au hasard, c'est pas du tout des cartes à nous. Des cartes au hasard. Prêt à partir. Ah bah, ouais, puis là, cette créature-là peut pas m'attaquer. Elle peut attaquer uniquement les monstres. Elle peut pas attaquer les... Ah ouais, donc elle est très puissante, mais... C'est que pour détruire le board, quoi. Je sais pas si tu la silences, si elle peut attaquer le héros adverse ou pas. Donc là, pareil, ce sera encore un intérêt d'utiliser un sort sur un de tes monstres, plutôt que sur celui de l'adversaire. Ouais, mais t'as plein de synergies comme ça. Non, mais j'essaie de brain le jeu, en fait. Les serviteurs, donc du coup ça fait, c'est exactement ce que je voulais faire. Ouais, mais c'est le principe de base, c'est pour ça que j'ai ouais, bah oui. Et tu peux le faire qu'une fois, t'as des cartes, genre le guerrier Urubashim, ça s'accumule. Ouais, voilà, tu peux le faire qu'une fois, mais l'intérêt est là, justement, tu t'en fous de toucher tout le monde puisque ça va rendre ta carte plus forte. Ouais, mais ça, c'est un truc de boss dans le jeu. Bon, maintenant on va faire une partie contre assassin et puis on va switcher de jeu. D'accord, c'est. Ouais, du coup, je prends un voir. Mais le problème c'est que... Essaie de te faire un deck vite fait. Ouais. Mais t'as pas les cartes... c'est chiant parce que t'as pas... Bah comme j'ai pas les persos niveau 20, tous, j'ai pas forcément toutes les cartes. T'es affalé. Man spread. Des barres. Contre Jaina. Ah merde. Vous l'avez cherché. Ah bah oui, oh, mais... C'est la guerre. Oui. Vous avez gagné. Je me suis couru. Je serais trompeuse. Non. Bien sûr, c'est parfait. Genre, mais c'est moi. Attends. Hop. Vous battez pas. Vous battez pas. Les enfants. Choix du plateau. Rasage des barbes. Jaina contre Pral. Mon marteau du destin. Vous l'avez cherché. Ça commence fort. Non mais de toute façon après on va switcher de jeu, donc là on faisait juste une partie contre chacun de vous et voilà. Parce que si on défie les gens du chat pourtant on a jamais fini.
déjà réussi à gagner des combats. Mais donnez-moi une quête. Parce que là, franchement. C'est pas moi qui les fait ce deck là, je te rappelle. Bah, c'est vous. C'est toi et Jeff, je crois que vous avez fait un deck vite fait avec les cartes qu'il y avait. Faut reconnaître. Et là, ça va. On voit que les cartes qu'il utilise, il n'y a pas. Ça va. Et je te promets, hier soir sur stream d'Envy, il y avait 600 personnes pour suivre ça. Et à un moment, il commençait à parler de série, tout. Il jouait même plus au jeu parce qu'il avait fini une partie et puis il discutait et tout. Putain, 5h du mat. J'avoue, j'ai pris presque la moitié du deck et j'ai toujours pas de créature. Ça se trouve en fait elles sont toutes là. Mais en fait il était tellement mal mélangé le deck, genre t'as tous les sorts d'un coup et toutes les créatures en dessous. Butez-le. Butez-le. Mettez-lui les pêches. Niquez-lui sa maman. C'est pas faux de t'avoir dit, vas-y, fais un deck. Hein. Mais j'ai pas le temps, mais on va finir. Demain. Je suis mieux passé. Tu leur dis attends. Fait ce qu'on appelle vomir sa main. Ouais, il balance tout ce qu'il a. Et tu vois, j'ai tendance à faire ça aussi des fois. Faut pas. Faut savoir garder les choses. Macron.
bah tu peux faire la renseignement plus mouton. Non, le mouton, je regarde s'il y a une grosse carte comme ça. D'accord. Prêt à partir. Tu vois, j'ai deux tonnes. J'ai pas besoin de mettre ça pour l'instant. J'attends. Je suis pas pressé. Il a qu'une carte, il a une créature sur la table. Non, mais ouais, c'est vrai, je. Tu vois, faut. Voilà. Il faut que tu penses au coup d'après, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as un coup d'avance. C'est ça. Et moi, je suis pas assez dans l'économie et là-dessus, et c'est vrai que. C'est la base. Mais pour savoir ça, il faut avoir de l'expérience. Il faut jouer souvent. Tu peux pas. Ouais, tu peux pas. Y a pas chier, tu peux pas, voilà. Si j'avais attendu encore un tour, j'aurais pu lancer trois couteaux avec mon jongle là. Ce que je vais faire, c'est que... Que la leçon commence. C'est pas bien grave. On peut faire autre chose. Et le c'est combien... C'est quoi le truc avec le jongleur? C'est un adversaire aléatoire après que vous avez invoqué un serviteur. Ouais, donc à chaque fois que tu invoques un serviteur, ça va faire... C'est la mitraillette. J'ai un deck... Je te montrerai tout à l'heure en haut, on ne verra pas sur mon compte, mais je te montrerai. Ça te permet une synergie impressionnante. Voilà ce que j'attendais. Bah, tu peux le montrer sur la tablette. Ah, voilà. J'ai pas fusé maintenant. Ouais, je sais. Du coup, là, je suis là pour apprendre. Là, bah, ouais. J'aurais peut-être pu mettre mon jongleur en place avant de j'aurais lancé deux couteaux. Parce que là il a pas de façon. Évitez cette pomme sur votre tête. Je suivrai vos instructions. Que la leçon commence. Voilà, là il y a moyen. Là du coup on a l'avantage d'une certaine manière parce que même si le nombre de PV on est pareil, t'as plus de cartes donc t'as plus de possibilités derrière. Mais j'ai carrément plus de possibilités. Alors que lui il balance tout comme un sac. De toute façon, t'as deux voques, donc... Que la leçon commence. Ouais, mais... Je suivrai vos instructions. Ça me dérange pas. De toute façon, il sera obligé de tuer un des deux, donc il va gâcher une attaque, en fait. Ouais, non, ça, faut le garder. Faut pas l'utiliser, parce que... Pourtant, si t'avais vu le deck... Le deck, il pue du cul. Il pue con.
complètement du cul. Ah mon gars, je te montrerai du vrai deck. Encore, hein, je peux pas. Non mais c'est parce que j'ai pris encore beaucoup de cartes aussi. Bon après, j'avoue, il est mal. Là t'as vraiment pas eu de chance parce qu'en fait tous les jours c'était. Mais il y a vraiment beaucoup trop de sorts. Je suis d'accord. Même si c'est un deck magicien, il y a beaucoup trop de sorts, il n'y a pas assez de créatures. Surtout des créatures faciles à invoquer en fait, des petits 1, 2, je vois. Suis vrai, vos inscriptions. Des petits trucs de mots, etc. Ça manque un peu. Hein, t'es d'accord ? Hey, attrapez ça ! Apprends-moi ! Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Moro, si tu regardes le truc, tu pourras lui dire que le deck il était pété. Allez, balance un petit bien joué. Bon. T'es rien t'as tapé, tu t'appuies. Ah, j'étais sûr que t'allais dire Torque. Ah et voilà, c'est eux que tu regardais l'autre fois, Torque et Marmotte. Alors. Genre, si on regarde. On va essayer de regarder quand même ce deck là. Histoire de voir. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de voir. Alors, un pouvoir. Tu vois, on a aucune problème ouais. Au niveau de ta curve. Regarde bien ta curve. Tu vois. Ouais, normalement ça devrait faire tac et redescendre comme ça. Et là, bah, attends, coupe juste l'image du stream. Je vais bon, on va se mettre sur mon compte. On va mettre pause quelques minutes. Je crois qu'il y a personne sur stream. On va faire 2-3. Si, il y a quelqu'un. On va faire pause 2-3 minutes. On va régler quelques 2-3 trucs sur Hearthstone, etc. Et après, donc on va passer sur Mario 64. Donc à tout à l'heure.